Salut à tous, c'est Cucuc et je vous retrouve pour la suite de Tales of Arise. On s'était arrêté en pleine exploration de l'Enigis après avoir eu des révélations sur le passé de Dwalim qu'on connaissait déjà parce qu'il nous avait tout spoilé avec des flashbacks de merde. Mais bon, je pense que ça a été rajouté post... Bref, ils se sont mal relus je pense et ils se sont pas rendus compte que c'était débile. Mais bon, on a pu voir que un de ses anciens amis avait entendu ce qu'on venait de se dire. Donc a priori, je pense que... Je pense que ça nous aidera à faire des trucs derrière. À quoi sert cette place, par contre? Que autant je veux bien que les fontaines et tout, c'est cool. Mais à quoi ça sert d'avoir une estrade? Il y a des trucs qui se passent ici de temps en temps. C'est joli, hein, mais l'intérêt en lui-même... C'est vrai, ça le range. Comment il va le range? Un peu de mouton. Que je peux créer de nouvelles armes. Oh, la Gladius Rainée. Oh, mamma mia. Oh, le Sclopetum Rainée. Et le... C'est quoi ce truc? Pardon. C'est un bazooka. D'accord. Lumière écrasante, éclatante 3. On peut faire en vrai. Et celui-là, il nous manque des crinières sombres. Oh, il a l'air joli aussi. Historia Rainée. Je pense que c'est des armes finales, ça. Parce que c'est des nouveaux designs. Joli, joli. Caestum René. Ok. Calumna Patio. Et Caduceus René. Très joli. Alors, ça doit être une horreur à tenir en main, ça. Ouais, à mon avis, c'est pas le bon design. Hein. Ça doit faire mal. Ouf. Bouclier rouge, on n'a pas ce qu'il faut. Alors les os mégaphones, j'ai dû les louper, hein, parce que je peux faire ça, mais je peux pas faire le... Je peux pas faire ça, quoi. Joli bouclier. Très joli. Et du coup, on va la faire, hein. Est-ce qu'il y a de nouveaux accessoires qu'on peut faire? Coût en jauge d'action divisé par 2, 50%. Putain, plus fréquent. PV rendu après élimination. Je vais voir un peu ce que ça pouvait donner. Ah ouais, coût en PS moins 10%. Coût en JA divisé par 2. Ah, le coût en PS moins 10% par contre. Après, ça a l'air rare. Ouais, ça a l'air super rare par contre. Parce que je vous avais pas montré, mais j'avais débloqué ça hors vidéo. On peut transférer des compétences si on a un charme au max jusqu'à un autre. Enfin, si on a un accessoire au niveau maximum jusqu'à un autre accessoire. Donc on pourrait récupérer par exemple le PV plus 400 et le mettre sur un autre artefact.
enfin, sur un autre accessoire et faire un accessoire que avec des PV plus 400 par exemple. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait un combat derrière. Ouais, je pense que je préfère. Faire un bonus d'X, non, de points de combat, ça reste le meilleur, je pense. Ah, pas de scénette. Oui, parce que c'est pas... c'est une auberge. C'est pas un feu de camp, c'est vrai. Côté tenue, par contre, est-ce que c'est ce qui va le mieux avec... En vrai, je pense, parce qu'il y a un petit côté doré et tout. Ah, c'est vrai qu'on ne l'avait pas utilisé celle-là. C'est peut-être l'occasion rêvée. Non ? Ça, elle est vraiment trop jolie comme ça. Après, c'est les couleurs que je préfère. Hein. Bleu et argent, vraiment des choses que je trouve très jolies. Quoique ça va bien avec ce grimoire en fait. Allez. On n'a pas d'armure rouge pour elle. Hein. Elle doit exister, je pense, mais on n'a pas dû la débloquer encore. Allez, repassage en noir. Noir doré plus du rouge sur le bouclier. Ouais, c'est parfait comme ça. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas changé d'arme. Ah, donc arriver dans le donjon. Ok, ben super. Oh, ils sont 44. Là, ils sont toujours aussi chiants. C'est vraiment pété ça par contre. C'est complètement pété. Hammer! Ça faisait longtemps que j'avais pas fait.明らかに住民たちと様子が違ったわ。話し合いの余地なんかない。問答無用って感じだった。鶴殿ティオハリムがいてもお構いなしだったな。我々を明確に敵として認識していた。レネギスの中で脅威らしい脅威など、聖ぜい実験か何かで暴走したズーグルくらいのはずなのに。ガナスハロスの時に似ていた気がする。ボルラーンに支配され。 兵士や奴隷の様子に。あのようなものなどいなかったな。私たちが来たのを心よく思わない何者かがいるということでしょうか。赤い女か、王か、はたまたボルラーンか。いずれにしても気を引き締めた方が良さそうだな。
Ok, donc il y aura une mante religieuse à affronter obligatoirement parce qu'elle va nous bloquer le chemin. Qui sera considéré comme un boss, qu'on pourra pas break. Super, un combat chiant quoi. Encore des loups, ça faisait longtemps. Parfait, ça, ça va taper tout le monde. Dommage. J'aurais essayé. Ah, ça fait bien mal hein, cette attaque. Ah, les clignères sombres, ceux qui les drop. Donc on va pouvoir créer des armes avec ça. Ah mais c'était déplacé du coup. Donc on aurait pu ne pas le tuer. Ah mais par contre... Ouais. Parce qu'il a pas de points faibles celui-là du coup. Mais on peut quand même le faire tomber. Je devrais taper plus quand j'ai ça, mais j'ai toujours été du genre à faire les arcs mystiques dès que je pouvais. Très joli, mais ça fait pas beaucoup de dégâts. Vraiment la mort du fun ces ennemis là. Après il fait pas super mal. Joli. Il faut que je regarde, mais je crois pas avoir débloqué de nouveaux arts depuis. Enfin, j'aurais pas dû faire ça maintenant, c'était débile. C'est vrai qu'on puisse dasher sur le monstre après avoir après que quelqu'un ait fait un arc mystique sur lui. C'est pas le cas actuellement, mais ça devrait. Regardez, on va perdre 150 PS environ, je dirais, sur un combat comme ça. Donc quasiment un quart, voire plus. Alors que ça sert à rien. Ça va même pas nous rapporter de choses intéressantes, je pense. Il
Mais t'as fini de charger comme ça? Qu'est-ce qui te prend? Ça pour choper les rives de monde, quoi. Alors, qui est-ce qui a débloqué un truc? Oui. J'étais sûr qu'ils étaient deux. Oh, le mix horrible! Ok. Et est-ce que ça arrête là? Et il est quand même pratique ce coup d'estop en boucle pour break ces ennemis là. Une fois qu'ils sont en l'air, ça permet bien de faire en sorte que... Coffre. Shortcake. Qu'est-ce qu'est exactement un shortcake? Ah dommage. Pas pouvoir le comboter du coup parce qu'il va se retrouver à l'autre bout de la pièce. Ah si c'est bon. Qu'est-ce que j'adore ça. Mais j'ai toujours été très fan des combos aériens dans les Tales of Arise. Tellement plaisant de le comboter dans les airs, de lui mettre 50 coups, puis après il touche le sol. Enfin, s'il est pas mort. Et c'est accumulé pour l'eau. Non, c'est où? Sa gauche, sa gauche. Ok, qu'est-ce que tu vas débloquer? Ça, ça sera bien. Ah, c'est vrai qu'on a une bouffe bonus. Ah oui, d'accord. Ah, c'est celui-là que j'avais vu qui était imbloquable. Ah,
C'est vraiment pas marrant à affronter ces trucs. Je vais encore perdre un tiers de mes PS pour rien. C'est vraiment pas intéressant. C'est dommage parce que ça pourrait être cool de réaffronter des boss comme ça, mais non. Ils ont fait en sorte que ça soit tout sauf marrant, quoi. Ils ont plus de points faibles, du coup ça veut dire qu'on les met au sol deux fois moins souvent. Donc au final c'est juste des gros sacs à PV. Il faut attendre qu'ils fassent des attaques précises pour les tuer. C'est vraiment la mort du fun. On peut faire des gros combos dessus, donc c'est cool, mais en fait on s'en fiche et c'est de la merde. Voilà, c'était quoi ça? C'est pas très cool. Ah, et du coup, elle se soigne pas. Pas très cool, ça, en effet. Ça serait que d'aller en dégâts. Hein. Genre, je l'ai fait un poil trop tôt, ça l'a pas pris en compte. Allez, Shion qui était mort, quoi. C'est par là-bas, donc moi je vais par là. Et vite. Vite. Et vite. Ça pour une herbe. Ça peut pas toucher plusieurs personnes, ça on est d'accord. Pareil, ça touche qu'une seule personne, je crois, alors que ça serait beaucoup plus intéressant si ça en touchait plus. Comme c'était le cas dans les anciens. Je peux le faire, Shion. Ah, c'est fait cancel à la toute fin. Tu vas y arriver, Shion, ou... Parce que pendant ce temps, elle soigne pas les autres.
Ivy? Mina, ah oui, mais ça paye par contre ici. C'est normal que je vois pas ce que je récupère? D'habitude, ça l'affiche tout sur le côté. Je vais perdre mon combo. Non, je veux pas perdre mon combo. Vite. Vas-y. Enfin. Parfait. Voilà. Voir ce qu'elle a d'abord. 21 600 gold. Ça fait des gros packs de mobs quand même. Je veux pas dire mais... Alors c'est peut-être les plus chiants à tuer, du coup on va peut-être commencer. Allez hop. Il n'y avait rien d'autre, je pense que j'ai tout vu. Hein. Expert en dents et rares. Il y a encore des trucs secondaires, saut aérien. J'avais pas pris ça. Non, ça va, il y a encore des trucs à débloquer. Petite épée, parce que c'est plus simple de faire un layout comme ça. Eh, regardez, on change d'étage. C'est pas un boss, sinon ils auraient mis un truc de soin avant. Ou alors je l'ai loupé. Suita. Koko kara saki ga kinryou da.
壁しかないけど、どこから入るの？王しか入れないって話だったよな。アルフェン。On sait l'activer notre saut ou pas? On sait l'activer, d'accord. Yatta! Aïta ze! Alphen ni akerareta ということは、どうやら300年前と今の王は同じと見て間違いなさそうだな。何？これは。まあ、de l'énergie astrale。Tes souvenirs. Anta か。いよいよ、奨励の儀は明日ね。あなたは王として、私は巫女として。体調に変化はない？何が王だ。俺はダナ人で、ずっと実験に次ぐ実験で、人間扱いすらされてこなかったのに、おまけに儀式だかなんだか知らないが、その時まで何をするのかも知らされない時だ。あんただって似たようなものなんだろう。よく平然としていられるな。確かに、私も自分から望んだ役目ではないわ。でも、レナの繁栄に必要なことだと言われたら、受けないわけにはいかなかった。あんたはレナ人だからそれでいいさ。だけど俺は故郷からさらわれてきて、戻るためにやむなしだ。それは理解しているし、申し訳ないと思ってるわ。終わればきっと故郷に戻れるようにする。だから今はお願い、協力して。お願いも何も、どうせ俺に選択権なんかないからな。なあ、あんたは？ネビリよ。ネビリ・アイミリス。いい加減覚えて。ネビリはなぜ俺を人間扱いするんだ？他のレナの連中と違って。一つは、属している世界は違っても役目を強いられているという点で、私たちは似た者同士だから。もう一つは、こうして話し合えていること。それは人と人の間でしかできないことよ。なら、あなたに人として接するのは当たり前のことだわ。変わってるんだな。かもしれないわね。分かったよ。明日の儀式はやり遂げて、俺はダナに帰る。それで終わり。あんたを信じるよ。他の連中の言うことじゃなく、ネビリ。ネミリ、ネリ、je saurais pas dire. C'est pas Naori, c'est sûr. 今の。みんな、同じものを見たのか。ねえ、アルフェンと話していた人、シオンと同じ顔してた。ネビリなのね。ネビリ・アイメリス、彼女が。そうだ。本当にシオンとそっくりだった。アルフェンが混乱するのも無理ないぜ。それで、我々は何を見たのだ。ただの幻覚ではなさそうだ。昔、俺が実際にネビリと交わした会話だ。ということは、あれはアルフェンの過去ということか。なんでそんなものが見えたんだ。まさかこれも赤い女の仕業か。うん、違うと思う。なんでだ。みんなも感じなかった？入り口が開いた時、ダナの精霊力が押し寄せてきたの。そういえばそうだ。あれは、くさびの奥で感じたのと同じ感覚だった。不思議はないな。
くさびからはレネギスに膨大なダナの精霊力が送られていた。あるいはそれがこの奥に貯蔵されているのかもしれん。じゃあ今のはダナの精霊力が見せたっていうのか。なんで、何のために。そこまではわからないよ。意図あってのことじゃないのかもしれないし。シオン、大丈夫か。ええ、急だったから驚いただけ。あれが私の300年前の先祖なのね。ああ、そうなるんだろうな。あなたの方こそ大丈夫なの。俺が。誰が何のためにさっきの記憶を見せたにせよ、この先もまた起こるかもしれない。あなたは自分の辛い過去を見ることになるかもしれないのよ。過去をなかったことにはできない。それにもし儀式の正体がわかるなら、シオンの茨の正体だってわかるかもしれない。あれ、それに俺はずっとダナをレナから解放するために戦ってきた。だがそのレナにも嘘と抑圧があるらしい。なら俺はそれも解放してやりたい。そのためにも真実から目をそらすわけにはいかないんだ。ダナにいてもどこにいてもあなたは変わらないのね。抑圧する者に怒り、壁を壊す者、それがあなたなんだわ。いいわ、進みましょう。すべてを知るために。うぃ、人気がないな。Allons-y。気をつけて。さっきの幻のことといい、この中のこと。Ah, ça c'est un boss par contre. 一つわからないわ。On a toujours le buff bonus PC, donc on va juste sauvegarder des fois que. À niveau 44, on a pris quelques niveaux aussi. Parce qu'il faut se retaper tout le chemin si on voulait aller changer des trucs, acheter des choses, crafter de nouvelles armes par exemple. Alors c'est qui qu'on affronte ? C'est la pote à Dohalim, non ? Bah avance. Qu'est-ce qu'elle fout là, elle ? Comment elle est rentrée ? C'est pas réservé aux souverains ici ? Kiari ? Do yatte koko ni ? Mate ! Nanda ka yosu ga hen da ? Nanda ? Nanka matomo ja nasa sou da so ? Ah ! Marude ano kinryou no soto de sougu shita heishi tachi no yō da. Qu'est-ce que c'est que ce cœur ? Ok, un petit démon laser. Ouais, je vais pas y aller par quatre chemins. Surtout que ça l'éloigne un peu de moi, donc c'est pas si mal. Il a pas l'air si fort que ça. Il tape fort, mais... Ok. Ça fait mal, par contre. Si seulement Shion arrêtait de caster des gros sorts de soins en zone et se concentrait juste sur des petits sorts de soins, ça serait tellement plus simple.
C'est encore un de ces boss où on va jamais détruire son point faible et que ça sert à rien qu'il en ait un. J'ai l'impression. Il est resté au sol tellement plus longtemps. Bientôt midlife. Ok. Et maintenant que le vrai combat commence. L'eau qui est vraiment une buse. Hein. Qu'est-ce que je le déteste, l'eau, des fois? Ah, ça lui fait mal, ça, hein. On va mettre une petite gelée. Ah, je savais pas que j'avais cette attaque, ça lui fait tellement mal. Ça aussi, ça me fait tellement mal. Je vais y aller à la fiole parce que sinon ça va être chiant. Petit soin là, non? Petit soin, chiant, non? C'était quoi cette attaque? Ça va, ça passe. En vrai, c'est pas le plus chiant qu'on ait affronté. Et c'est fini. Bon, c'est quoi cette invocation de mort là? J'ai même pas vu si j'avais encore ma bouffe. Et là, elle recommence, elle en réinvoque une, voire deux, voire trois.
私の声が聞こえるか、フィアリー。Ah, c'est ça, elle a recommencé. Bah alors, c'est pas gentil d'attaquer ces personnes qu'on voulait faire mourir. それに、ここ本当は入っちゃいけない場所なんだよね。このまま、ここに置いていくわけにもいかないんじゃないの？それは。僕が引き受けよう。あんたアバキール、なぜここに。君のことが気になってね、後をつけてきたんだ。タルニガスの死の話も聞いてしまった。すまない、そんな事情があったなんて。私が自分に都合のいい嘘をついているとは思わないのか。これでも多少は君のことを理解しているつもりだよ。フィアリエのことは任せてくれ。何をするのかは聞かないけど、うまくいくことを祈ってるよ、ティオ。すまない。Bah, surtout que s'il nous a suivis, il a vu qu'il y a à la fois une dame, enfin la dame, il sait pas forcément, mais qu'il y a un souverain d'un autre groupe, quoi. いいご友人ですね。昔からそうだった。常に一歩後ろに立って、目立たず、気を回しすぎる、フィアリアにも。気の毒なことをした。彼女がああなったのは自分のせいだと思っているのですか。彼女をけしかけた何者かが、こちらが手出ししづらいのを承知でそうしたのは明らかだ。君もだ。君もフィアリエも私と関わったことで大切な身内を失った。兄の死の直接の原因はケルザレクであり、彼を操ったアウメドラです。タルニガスの死にしても、本当の原因はスルドブリガであり、ひいてはレナの階層社会そのものにあるはずです。だからこそあなたはスルドブリガを終わらせようと思ったのではないですか。そうだ、そうすることでしか私が死なせた人々に償うことはできない。償うことなどできません。できないんです、ティオハリム。辛いことですが、死んだ人は死んだままです。何もできません。受け取ることも許すことも。罪を忘れろというのか。違います、その逆です。決して忘れず、でも生きるんです。死者のためでなく、生者のために。生者のために。そうだな、俺たちはまだ生者の側にいる。何かできるとしたら、それは同じ生きているやつのためなんだろう。生きているということは、まだ何かできることがあるということです。責を感じるというなら、罰を求めるのではなく、その原因を除くことが私の務めか。はい。明日のために生きてください。昨日ではなく。そして、あなた自身もその中で努力しよう。でもまずは金量の謎を確かめることが先だよ、シオン。おかげで助かった。改めて礼を言う。どういたしまして。フィアリエのこと傷つけずに止められてよかったね。君たちにもいろいろ助けられた、感謝する。Et donc on vient de là. Oui, j'aurais dû le voir. J'aurais dit que c'était par là, que c'était une porte, mais a priori pas du tout. Enfin si, ça a l'air d'être des portes, mais... Ça a pas l'air d'être par là où on doit aller. Donc c'était juste la petite zone de boss, quoi.
操られるって誰にだ？赤い女にか？誰にせよこの一連の裏にいるやつだ。どうあれフィアリへの恨み自体は彼女のものだ。やり方が汚いよ。こっちが手を出しにくい相手を選んだってことでしょ。だがこれでレネギスのどこかに我々を敵視している存在がいることは間違いない。ええ、私たちに合わせて仕掛けてきたのだから。人の心につけ入る真似をするようなやつ必ず見つけ出してやる。 On se pose des cas moral, mais que quand c'est des gens que les personnages principaux connaissaient. C'est un peu débile. Taux d'altération, pourquoi pas. Augmentation de la résistance. Ok, on va continuer un peu, je pense qu'on a le temps. Au moins voir ce qui nous attend derrière. どうしたリネル、ひょっとしてまた。うん、声だ。ダナの精霊力の意志。 Encore un souvenir. Oh.Donc lui, il les met en horizontale, elle est en verticale, puis ils inversent. Nani, Sugoi Ryo no Seirei Ryoku ga doko kara? Shikamo nani ka Ishi no Ryo na.Il y avait déjà des épines dans l'ancienne dame. C'est quoi, on serait devenu berserk parce qu'on a cru qu'elle était morte ? Imano wa shōrei no ki. Daga, sore ijō ni are wa nani mo kamo naku naru yō na kankaku. Nanda yo. Nan nan da yo are wa. Hametsu yo.間違いないわ。茨が見せるのと同じ。私たちすべてを飲み込む暗闇。何もない空虚。言葉では到底言い尽くせない。だが確かにあれは破滅だった。あれが破滅。あんなものをシオンはずっと見続けてきたのか。ねえ、今のってネヴィリの記憶だったんじゃないかな。ああ、ネヴィリの心の声が聞こえたみたいだった。少なくとも俺のじゃない。あの流れ込んできた力、シオンの茨と同じ感じがした。
あれが破滅を見せたんだとしたら、茨の正体はあの精霊力だとすれば、やはり300年前の出来事とシオンの茨には関係があったということか。いや、それどころか確信に関わることかもしれん。でもあれは、あの精霊力は一体、茨と同じなら闇の精霊力ってことだよね。それってつまりレナの力ってこと？そういうことになる。闇の属性はレナ固有だ。精霊力が集まると意志を持つという話があったな。それじゃあの破滅はレナの精霊力が望んでいるということなのか。なぜだ？わからないよ。意志といってもすごく漠然としている感じだったし、ダナの意志みたいに。そういえばダナの意志も精霊力だったよな。それがさっきから俺たちに幻を見せている。そんなのに深入りして俺たち大丈夫なのか？ダナの意志は破滅なんて望んでないよ。わからないだろそんなこと。よさないか二人とも。憶測で言い争ってもいいことはない。進みましょう。ダナの意志がなぜ300年前の記憶を見せてくれるかはわからないけど、それが真相につながるなら私は知りたい。俺もだ。これがネビリの記憶なら俺が知らないこともわかるかもしれない。戦い続けるためにも俺はそれを乗り越えないといけない。変なこと言って悪かった。行こうぜ。よ、あの過去の幻、私たちに関わりがあることばかり。ダナの意志の仕業かもしれないという話だったが、どうなのだろうな。俺たちに何かを伝えようとしているのか。そういやさ、死んだはずのやつを見たとか、ことずかったとか、そういう話って結構聞くよな。幽霊の類と一緒にするのはどうかと思うぞ、ロウ。いや、案外的を射ているかもしれん。人の思いや行いがさながら足跡のごとくその場所に刻まれるとしたら、そして関わりあるものはとりわけ感応しやすいとしたら、それが私たちの見た幻の正体。ただの想像だ。ダナの意志の仕業かもしれないし、王や巫女の力が作用している可能性だってある。よくわからねえけど、精霊力がたくさんある場所ならあんな風に昔の出来事を見られるってことか。そんなにたくさんの精霊力が自然に集まることなんてそうないと思うけど。いずれにせよ300年も消えずに残っていたのだ。相当強い思いだったに相違あるまい。強い思いか。OK。Ah, c'est automatique, c'est pas moi qui avance. Je tenais à le dire. Pour quelle raison, on sait pas, vu que ça sert à rien. Ah, c'est pour nous dire, c'est la fin du jeu, attention. OK. 万全の体制で臨みたい。 Donc a priori, c'est potentiellement la fin du jeu, ça. OK. Et ben, on va peut-être s'arrêter là pour cette vidéo. On verra ce qu'on fait la prochaine fois. Soit je fais de l'XP et j'essaye de faire les encres. Mais je pense que du coup, on roulerait sur le jeu. Soit on fait la fin du jeu. Mais du coup, je voudrais quand même faire les encres après. Puis la fin change peut-être, suivant si on a fait les encres ou pas. Donc, ça peut être intéressant de faire deux fois la fin pour voir.
Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est faire une sauvegarde là. Et on verra derrière ce qu'on en fait réellement. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine pour la suite et peut-être la fin de Tales of Arise. On verra. Et je vous dis à la prochaine. A plus.